Salut, bienvenue sur Max Reportage pour l'essai de la nouvelle Audi RS6 à vente avec son V8 4 litres TFSI de 560 chevaux. Un modèle équipé d'une magnifique peinture gris Daytona matte avec aussi des jantes de 21 pouces en option. Sublime. On ne dispose pas des freins carbone céramique en revanche. À l'avant, on peut voir également que notre modèle est équipé du pack carbone extérieur à 5 430 €. Et le pack dynamique qui permet de profiter du différentiel quattro sport et de relever la limitation de vitesse à 280 km/h. À l'intérieur, la finition est toujours aussi sublime, avec ici des applications en carbone et la sellerie en cuir optionnelle, avec des surpiqûres rouges assorties aux ceintures. Au moins c'est qu'en mode manuel on peut faire rupter le moteur, il n'y a pas de problème, on a le droit. J'aime bien les petites décharges de notre radage. Alors passer 4000 tours c'est pas très progressif, on a un effet turbo très marqué. On est souvent surpris par le rupteur tellement le turbo pousse d'un coup au-delà de 5000. Et sortie d'épingle, dis donc, ça carbure, hein, c'est un 20 missiles. Hein. Alors comme souvent dans les Audi, la direction est très assistée, assez légère. Donc elle a un peu plus de consistance en mode dynamique, mais ça reste quand même assez léger, on sent pas trop le train avant. Et la pédale de frein, pareil, manque un peu de consistance. Je dirais que c'est les seuls défauts des Audi aujourd'hui. Alors avec le différentiel quattro sport en option, on a un train arrière qui est assez mobile. Pour une 4 roues motrices, elle en roule bien dans les virages, même dans les épingles. En revanche, ça reste une voiture lourde. Donc, sur ce genre de parcours, ça se ressent. Et il vaut mieux utiliser le mode confort en suspension quand on est sur une petite route, sinon c'est trop raide. C'est quand même un sacré outil, hein. Sans doute une des le break le plus efficace du marché. Allez, salut, à bientôt sur Max Reportage. Donc là, après cette petite séance photo, on est à 25 litres au 100, hein, monsieur Desmond. C'est ma très grande faute. Bah ouais, en tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir filé un coup de main. Ce fut un plaisir.